Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
De la lettre aux Romains. Tous les hommes sont pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu, lui qui leur donne d'être des justes par sa seule grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car Dieu a exposé le Christ sur la croix, afin que par l'offrande de son sang, il soit le pardon pour ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu voulait manifester sa justice. Exulté dans le Christ, il vous enrichit par sa pauvreté. Exulté dans le Christ, il vous enrichit par sa pauvreté. Dans la confiance, prions le Christ qui fortifie son peuple et le conduit. Sagesse du Père, donne-nous d'entendre ta parole et de la mettre en pratique. Garde-nous sur tes chemins. Lumière des nations, éclaire ceux qui les gouvernent, qu'ils soient attentifs au bien des peuples. Garde-nous sur tes chemins.
dispensateur des dons de Dieu, tu as nourri les foules, que ta pitié nous porte à donner ce que nous avons à ceux qui n'ont rien. Garde-nous sur tes chemins. Médecin des âmes et des corps, suscite en nous ta charité pour que nous visitions les malades, nos frères. Garde-nous sur tes chemins. Gloire du Père, vie et résurrection de nos morts, reçois-les dans ton royaume. Garde-nous sur tes chemins. Notre Père, Seigneur Dieu, à toi le jour, à toi les nuits. Tu nous les donnes pour rythmer notre vie. À travers ombre et lumière, conduis-nous au jour qui ne finira pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.